Bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 du projet de chevaux. On est en mode McDo, mais c'est un McDo réunion de travail parce qu'au McDo c'est cool, il y a le wifi. Donc je vais lui faire une petite vidéo, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de point sur la 2, je vois ce qu'on en était. Pierre-Jean, bah, il a bien bossé, il a tout démonté, vous avez vu, je vous mets des petites incrustations. La voiture elle est en kit façon Ikea, c'est joli, sauf que maintenant bah, il a besoin de pièces. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a bossé autour de l'auto à l'ancienne sur papier. Voilà, on a fait des petites annotations, il m'a fait, avec son écriture de médecin, il m'a fait des petites listes. Et puis moi j'ai mis tout ça au propre sur un joli fichier Excel, par catégorie, avec des fournisseurs, cherche les références. Ça prend du temps, c'est relou, mais bon, faut le faire, maintenant t'as besoin des pièces pour bosser. Ah, il faut avancer. Donc aujourd'hui c'est réunion de travail, on finalise la liste complète, les petits détails, il y a des petits points, moi je suis pas technicien, donc il y a des petits points, j'ai des doutes. On finalise la liste, je l'envoie au fournisseur pour devis, on choisit bah, le moins cher, hein. Celui qui a l'air d'être le moins cher, le sérieux, sympa. Et le plus sympa, on verra. Ouais. On fera peut-être leur pub s'ils sont sympas. Et puis bah, comme ça, dans quelques semaines, bah, on fera une autre vidéo, on réceptionnera les pièces, et puis non, bah, ou alors on ira les chercher. On ira les chercher, suivant où c'est. Et puis on vous montrera tout ça, et puis bien, les prochaines vidéos, ce sera le remontage. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo juste pour faire une petite mise à jour, vous dire où on en est. Et également vous remercier, on a atteint les 2000 abonnés, c'est génial, ça a grimpé de... On a doublé, on a pris 1000 abonnés en janvier-février, donc c'est génial. Les essais, je suis un peu à la bourre, je suis désolé, ça arrive bientôt. Il y aura de l'ancienne, la 104 qui est finie, qui roule, du cabriolet, de la sportive, de la compacte sportive, et puis au mois de mai, je vous prépare une petite vidéo spéciale sur le Nürburgring, comment organiser un petit week-end, comment aborder la première fois le Nürburgring. Allez, on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.